coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. Décidément, la tournée africaine du président français tourne au fiasco. Reçue par le président du Bénin, Patrice Talon, Emmanuel Macron affirme que la Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales dans le monde. Des déclarations qui sonnent d'une rare fausseté. La Russie, je le dis ici très clairement pour nous Européens, mais pour le continent africain, la Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. La Russie est l'une des dernières puissances impériales coloniales. Elle décide d'envahir un pays voisin pour y défendre ses intérêts. C'est ça la réalité. Quand vous les voyez poindre leur tête chez vous, n'y voyez pas autre chose. Même s'ils vous tiennent le discours inverse. Des déclarations mensongères jamais prononcées par un président français qui conforte sans doute les pays africains dans la rupture du pacte colonial qui leur lie à la République française. Voici les points que Emmanuel Macron refuse de voir. Premier point, la Russie n'a jamais colonisé aucun pays africain. Deuxième point, la Russie n'a jamais imposé une monnaie nazie aux pays africains, comme la France a su le faire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Troisième point, la Russie n'a jamais imposé sa culture, sa langue aux pays africains. Or, nous savons tous, la France a toujours instrumentalisé la francophonie pour marginaliser les langues africaines. Quatrième et dernier point, la Russie n'a jamais installé des bases militaires dans aucun pays africain sans l'autorisation de ce dernier. Or, la France dispose des bases militaires qui datent de l'époque coloniale. Des bases qui ont servi à assassiner depuis plusieurs siècles. Maintenant, les présidents africains qui voulaient s'émanciper de la tutelle néocoloniale française. Dans la deuxième partie de la vidéo, Emmanuel Macron s'enfonce dans le mensonge et le mépris. Et puis, voyant les déséquilibres qu'ils créent, malgré toutes les tournées diplomatiques et la désinformation qu'ils font, je constate que la Russie à travers le monde est l'un des pays qui, avec le plus de force, utilise des instruments de propagande, usant d'ailleurs de nos règles démocratiques, en faisant croire que ce sont des confrères à vous, développant des chaînes de télévision. Mais Russia Today, Sputnik ne sont pas des chaînes de télévision avec des journalistes libres qui parlent d'une information libre et ouverte. Ce sont des gens qui divulguent une propagande au service d'un régime qui les paye. Ils utilisent cela pour mener leur guerre, diviser les opinions publiques et pousser leur avantage. La deuxième chose, ils font chantage sur l'alimentation. Ils font chantage parce que c'est eux qui ont bloqué les céréales en Ukraine. C'est eux qui régulent leurs céréales. Il n'y a eu aucune sanction sur l'alimentation décidée par qui que ce soit, ni les Américains, ni les Européens, ni qui que ce soit. C'est eux qui décident de comment réguler le robinet, faire monter les prix, les baisser, laisser venir la nourriture ou pas. Puis ils font une tournée partout en expliquant aux gens, c'est de leur faute. C'est ça la réalité. Et puis, sur l'énergie, ils font pareil, avec les Européens, cette fois-ci. C'est plus compliqué, néanmoins, parce que les revenus de la Russie dépendent en grande partie quand même de leur capacité à vendre aux Européens ce gaz. Et on ne déplace pas un gazoduc en 6 mois. Donc je ne sais pas dire ce qu'ils feront, je sais dire qu'ils en useront, et je pense qu'il est sage de la...
Pour le président français, les pays africains sont victimes de la désinformation de la part de la Russie via ses médias Russia Today ou Sputnik. Mais alors que fait RFI, France 24 et TV5? Il tente d'accuser la Russie d'être responsable de la mauvaise gestion des États africains. C'est tout simplement méprisant, une injure à l'intelligence africaine. Ce que les pays africains demandent à la France, c'est la fin du pacte colonial, la fin du franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. 2. Le démantèlement des bases militaires françaises en Afrique, la fin de l'inquisition des langues africaines via la francophonie, qui est un instrument de répression de la culture africaine. Voici un ensemble de points que l'oligarchie raciste française refuse de prendre en compte. Au Mali, tout comme sur l'ensemble du continent, les sociétés civiles demandent à la France de respecter la souveraineté des États africains et le droit à disposer de leurs ressources naturelles. Il est temps que la France se mette à l'évidence et revoie en profondeur sa nouvelle stratégie diplomatique sur le continent. Pensez-vous que les propos de Macron sont-ils respectueux à l'égard du continent africain? Faites-le nous savoir dans l'espace commentaire.